Enfin, peut-être un bon centre. Ah oui, le pénalty. Et oui, il y avait faute de main. Et monsieur Yacouba qui cible vraiment. Alors là, au bon moment, vraiment à une minute de la fin de la première période. Et attention, monsieur Yacouba n'a pas hésité, même si, regardez la manière de contester de Makama, il consent. Il dit que c'est le visage qui a dévié. On attend le ralenti, Smaïn. Et je crois que les consignes de la FIFA sont claires. Hein. Dès que vous touchez l'arbitre, vous avez un carton. Alors, on revoit le centre de Ben Chérifa. Pas très évident, ça, mais... Hein. Je dirais qu'il y avait beaucoup plus pénalty sur la première que sur cette fois-ci, mais... Ouais, je pense. Enfin, moi, j'ai pas vu pénalty, là. Non. C'est vraiment le bas du dos du joueur qui a touché. Sincèrement, on voit pas la main, hein, mais quand c'est il a le fait mouvement, c'est le mouvement de la main. Je pense qu'il a vu le mouvement de la main. Allez, Essien Bzez, et oui, on allume les smartphones, on joue à 2 minutes de temps additionnel. Et Essien Bzez pour redonner goût à ce match et puis surtout, eh bien, redonner espoir. Oh, qu'est-ce qu'ils nous font là, nos amis nigériens? Alors, ils arrêtent. Là, ils veulent quitter l'intox, le terrain. C'est l'intox, c'est l'intox. Non, ils veulent influencer. Ouais, déstabiliser beaucoup plus le tireur. Mais l'arbitre, eh bien, n'a pas accordé de temps mort. Pourquoi tous les joueurs vont s'abreuver en même temps? C'est la fritille. Mais, bon... Non, il joue la montre. Mais ce n'est pas cette manière. Ils tentent d'influencer psychologiquement leur adversaire. Mais attention, le pénalty sifflé. Monsieur l'arbitre devrait faire jouer ce pénalty sans attendre. Eh bien, il n'a pas à attendre. Et là, on essaye. Il a essayé de déstabiliser le tireur. Mais Yacine Bzez est quand même un joueur qui a énormément d'expérience. Un vieux de la vieille. Il en a connu. Il en a connu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Et attention, Yacine Bzez qui s'élance. Le Stade Cheikh Hamlaoui debout pour ce pénalty. Vraiment dans les temps morts, le temps additionnel. Sameur et consort se retournent. Il donne le dos et on laisse à Yacine Bzez le soin de tirer ce pénalty. Le but! Et c'est l'égalisation sur les deux match et Yacine Bzez redonne espoir au CSC, toute la ville de Constantine qui se réveille avec les feux d'artifice et comme une seule voix, le Stade Cheikh.